projet national Perdum avait pour objectif de déployer l'approche performancielle de la durabilité dans le contexte normatif des bétons. C'est chose faite puisqu'aujourd'hui les résultats ont servi de base à l'élaboration d'un fascicule de documentation, le fascicule FDP 18480, qui est appelé par la nouvelle version de la norme béton NFEN 206. Parmi les nombreux livrables et résultats du projet national Perdum, on retrouve la confection de 32 corps d'épreuve à l'échelle 1 qui ont été fabriqués dans les locaux du CERIB. Alors ces corps d'épreuve ont été fabriqués par un groupement de laboratoires et d'organismes composé de 26 constructions, de l'Université Gustave Eiffel, du LRMH, du LASI et du CERIB. Ces corps d'épreuve sont en béton armé et l'objectif est de pouvoir suivre sur plus d'une vingtaine d'années le vieillissement de ces bétons dans des environnements naturels et la corrosion des armatures par différentes techniques. Et je vous invite à cliquer sur le lien ci-dessus pour en savoir davantage sur les objectifs de ce projet, sur lequel vous retrouverez une vidéo explicative et sur le détail de la confection de ces corps d'épreuve.